On est ici au marché public et la grande journée des petits entrepreneurs pour une belle journée ensoleillée. C'est dans notre mission. Donc, on aide les petits entrepreneurs à devenir de grands commerçants. On espère qu'ils vont venir à Sainte-Adèle un peu plus tard. C'est la 4e édition là, de la grande journée des petits entrepreneurs. Les gens peuvent venir ici puis rencontrer nos jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont préparé leur kiosque puis qui ont préparé là, leur petite entreprise d'un jour pour les servir. Bonjour, moi c'est Juliette et moi Léa. On vend des bracelets. Le nom de notre entreprise, c'est Les Petites Créatives. Puis on vend aussi des biscuits. C'est notre première fois qu'on le fait. De la date au milieu, il s'est frit. Et c'est très, très bon. On en a fait vraiment plus parce que l'année dernière, on avait tout vendu à midi, je pense, il n'y avait plus rien. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont deux, il y en a qui sont trois. Ça dépend des équipes, mais on a 35 équipes ici à Sainte-Adèle, ce qui est un très gros nombre. Ben nous, notre entreprise s'appelle les Petits Germains. On l'a choisi ce nom parce qu'on est des cousins du Germain. Et qu'on fait des gels, donc des puces, et qu'on fait des bracelets à la main. J'ai tous les bracelets. En tout, j'en ai 45. On a aussi nos cartes d'affaires faites par Nicolas. Des bracelets autour de la main et puis les masques comme les pouces. Bonjour, je m'appelle Sacha. Moi, je m'appelle Lucas. Boule d'énergie. Ça, c'est une autre sorte de boule d'énergie. C'est deux différents. On va vendre la confiture à la fraise, au bleuet, au framboise et au caramel. On va vendre des micro-pousses de froid. On va vendre des fruits d'herbe. On va vendre plusieurs légumes. On va vendre aussi des cornets à l'érable. On tenait aussi vraiment à remercier vraiment tous nos commanditaires du fond du cœur. Ils nous ont vraiment aidés dans cette entreprise qu'on a créée. Je vends beaucoup d'affaires que j'ai fait à la main. Il y a des dessins que j'ai fait, des boucles d'oreilles. C'est des petites peluches. La Grande Journée des petits entrepreneurs, c'est une organisation nationale. Nous, ici, à la Chambre de commerce, dans le fond, on chapeaute la Grande Journée des petits entrepreneurs à Sainte-Adèle. On a pris en charge les inscriptions et puis toute l'organisation, le montage de la journée. Les entreprises, en fait, sont ici de 9h à 15h. Donc, on a le marché public aussi. Les gens sont invités là, à venir, à passer toute la journée puis à venir encourager tout le monde. C'est l'huile Jean-Jean. Pourquoi l'huile Jean-Jean? C'est parce que, en fait, c'est mon surnom, Jean. Fait qu'on a appelé ça l'huile Jean-Jean. Dans nos bouteilles, on a de l'huile extra vierge, des piments de Cayenne, chocolat Carolina Grape et on a de la Banero. Par exemple, si les gens veulent de l'huile épicée, ils peuvent nous recontacter avec l'adresse email ici. Nous, maintenant, elle a pas tout le monde en fait depuis l'année dernière, mais on s'est vraiment amélioré ces temps-ci. Puis c'est le fun de faire une vente avec ma famille. Je vends des sacs à collation. On peut mettre des biscuits. Ça m'a pris de la persévérance. Puis on travaille dessus depuis l'été passé. Ben que je suis vraiment fière qu'elle ait réalisé son projet. Puis là, ben, aujourd'hui, on est là pour le mettre en valeur. Les jeunes entrepreneurs étaient très excités ce matin, sont arrivés tous à l'avance, sont venus nous voir, sont venus s'inscrire. Et puis, en fait, on les amenait à leur kiosque, ils se sont installés. On leur a remis là, des petites surprises qui ont été remises par nos partenaires. La Chambre de commerce est là pour unir les membres, unir leurs forces dans des 5 à 7 réseautés, ce qui permet justement entre eux d'échanger de leur expérience, de leur vécu, de s'aider pour donner de la formation, de donner des conférences, mais aussi aider ses membres dans tous leurs divers projets.
Moi, c'est Mégane. Bonjour, moi, je suis là pour aider Mégane. Ma compagnie, elle s'appelle MC Design. J'ai fait des sacs magiques. J'en ai des petits comme ça. Et moyens, ils sont faits avec des graines de lin. J'ai aussi des grands, mais ils sont faits avec du riz. On peut les réchauffer ou les mettre au congélateur. Je vends de la sauce tomate. Fait maison. L'étiquette, je l'ai dessinée entièrement. Les ingrédients sont l'oriane, du basilic, du sucre, du sel, de l'huile d'olive et des tomates italiennes. Moi, je vends des cupcakes au chocolat et à la vanille, puis des châtres moustiques, puis des half ice piqueurs, puis des bijoux. Moi, je vends du chai, de la limonade, puis des bijoux et du popcorn en dessous. D'autres bracelets, on a des petites bagues. Ici, on a des allumes-feu recyclés avec des rouleaux de papier de toilette, du graffiti puis de la cire fondue dans un chaudron. Porte-clés faites avec de la corde, des leurres de pêche. La Chambre de commerce est gestionnaire du parc de la rivière Doncaster depuis plusieurs années maintenant et aussi gestionnaire là, du parc du Mont-Loup-Garou depuis 2021. Donc, oui, une chambre de commerce est gestionnaire. Les gens se posent la question, voyons, gestionnaire du parc et pourquoi? Bien, c'est parce que ça l'emmène le développement économique à Sainte-Adèle. Il y a beaucoup de touristes qui s'en viennent ici. Fait qu'on prône notre mission aussi en mentionnant les gens qui viennent dans les parcs, bien, on les envoie dans nos commerces. En 2020, avec la fameuse COVID, on a parti les certificats cadeaux adélois. La majorité des commerces acceptent. Présentement, là, je dirais là, qu'on est à 90 000 d'argent de certificats cadeaux adélois depuis ce temps-là qui s'est promené à Sainte-Adèle et qui se promène encore là, parce que c'est toujours en vente, donc c'est toujours d'actualité. Là. Les jeunes entrepreneurs, en fait, ça s'adresse aux jeunes de 5 à 17 ans. Puis, ils peuvent s'inscrire à partir du mois de février directement sur le site web. Donc, les places partent très vite. C'est très populaire. Déjà, non, en quelques semaines, on était sold out. La Chambre de commerce, dans le fond, a aussi son côté événementiel, donc récréo-touristique. Donc, on parle de l'Octoberfest, qui est notre plus gros événement de l'année. Donc, il amène plus de 50 000 personnes en 3 jours à Sainte-Adèle. On parle des belles d'autrefois, 150 véhicules antiques. On parle des marchés publics. On parle des journées fidèles accompagnants, du gala de la Nuit adéloise, les festivals de couleurs, du marché de Noël. Donc, on a beaucoup d'activités et événements à Sainte-Adèle là, qui emmènent le développement économique, donc l'achat local. J'ai toujours été attirée par l'événementiel. Donc, ici, à la Chambre de commerce, on fait beaucoup d'événements pour mettre en lumière les commerçants ici. Puis je pense que c'est une super belle mission de pouvoir vitaliser la ville de Sainte-Adèle. Je pense que c'est vraiment super intéressant puis ça m'attire beaucoup. On finit des événements ici, là, puis les gens sont tellement souriants, les commerçants sont souriants. Tout le monde qui participe, autant les clients, les gens qui passent, qui viennent participer ici, puis qui passent leur journée, donc c'est vraiment super. On rencontre beaucoup de monde aussi. On est toujours en échange, on est toujours en train de connecter avec des gens, donc ça, c'est super, super plaisant, super agréable. J'ai toujours voulu m'impliquer auprès de la communauté. Puis la communauté de Sainte-Adèle, c'est une belle communauté d'affaires, une belle grande famille. Donc, c'est ça qui m'aide à grandir au sein de cette belle famille-là. Puis j'aime ça, voir les sourires auprès des commerçants, développer des choses avec eux. La Chambre de commerce, c'est pas juste moi, c'est aussi mon équipe, notre conseil d'administration, c'est nos membres commerçants qui sont là, mais c'est des bénévoles au grand cœur. C'est eux qui nous dirigent dans ce que les commerçants ont besoin. Puis ils donnent de leur temps. Donc, c'est vraiment grandement apprécié parce qu'ils nous soutiennent aussi en tant que direction, en tant que permanence. On organise des événements, des activités pour nos membres, autant pour le développement. On fait le projet de A à Z. Quand on arrive et qu'on voit les retombées économiques qu'il y a à Sainte-Adèle, qu'on voit nos commerçants qui sont heureux, sont contents du travail qu'on a fait, puis, tu sais, qui nous remercient, je pense que c'est ça notre plus beau cadeau. Ils sont tous bien ouverts. Ils veulent nous vendre leurs produits avec aisance et sourire. Le nom de la compagnie, c'est Surprise Petit. On vend des jouets à cheveux, des désinfectants à main, des bonnes surprises, des cônes de bonbons, du popcorn, puis des chouchous, et de la mentale. Très satisfaite, même couleur que les lunettes. Des bracelets. Résistant aux déchirures. Après, on dessine dessus et on fait des trous comme ça.
dedans. Puis ça vieillit comme du cuir. Notre nom d'entreprise, c'est les Belles Paillettes. On vend des squishies. Des bonbons. Moi, ça va très bien. Moi, ça va vraiment pas bien. L'année passée, j'avais déjà fait, j'avais vraiment aimé ça, fait que j'ai voulu le refaire. Ça fait 4 ans que je viens petits entrepreneurs. C'est cool de vendre des choses. J'aime ça, les fabriquer. C'était juste pour l'expérience là, de ça. Ça me tentait aussi d'aller avec mon ami qui est là. Mais les gens, ils étaient fun. Ils parlaient, ils venaient voir ce que tu vendais. C'était vraiment amusant. Et aussi, en plus, on peut acheter des affaires. Moi, l'année passée, je l'ai fait. Elle m'avait dit en enfer, mais elle était à Montréal. Fait qu'elle avait pas pu venir me dire par les ventes, mais cette année, elle était avec moi. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. J'ai toujours voulu faire des savons. J'ai toujours voulu participer à quelque chose ou que je pouvais vendre des affaires. Fait que ça trouvait que c'était une bonne occasion. Puis moi, c'est Léa qui m'a proposé de le faire avec elle. Alors, j'ai accepté. Ça me tentait de faire ça, c'est fun. Puis on récupère de l'argent. Je trouvais que c'était un bon projet avec tout l'argent que j'avais gagné l'année passée. À l'école, il y avait beaucoup d'amis qui le faisaient, ça nous tentait de le faire, nous aussi. Nous, notre but, c'est plus de s'amuser, de faire des affaires ensemble. On voulait passer une journée ensemble. On voulait passer une journée ensemble. Et s'amuser. C'est notre mère qui l'a vu passer sur le Facebook de l'école. Puis elle nous a demandé si on voulait s'inscrire. Fait qu'on a dit pourquoi pas. On ne doutait pas que ce projet-là, ça allait prendre une telle ampleur. Puis finalement, on est vraiment contents du résultat. L'année passée, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'aime ça vendre des cartes que j'ai appris à faire avec ma maman. Les bénévoles pour la Chambre de commerce, c'est vraiment très important, autant du côté événementiel, mais autant dans nos parcs. Si les bénévoles ne seraient pas là, je pense qu'on ne serait pas là. On est une force, on a besoin d'aide. Puis je pense que c'est tous des gens au grand cœur. Puis je pense que je peux considérer tous les gens qui travaillent pour les OBNL bénévoles aussi, parce que oui, des fois, on est rémunérés, mais on donne beaucoup de temps aussi. Écoutez, on a toujours besoin de bénévoles. Donc, si vous avez comme vous dites, 1 heure, 2 heures, 3 heures à nous accorder, on prend tout. On a toujours besoin d'aide, que ce soit en avant-midi, en après-midi. Puis, tu sais, n'hésitez pas à venir nous voir parce que c'est avec vous qu'on fait la différence, c'est avec vous qu'on unit nos forces, puis c'est avec vous qu'on fait un monde meilleur. Pour donner membre à la Chambre de commerce, il y a plusieurs façons. Donc, vous pouvez simplement nous appeler, vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez directement aller sur notre site Internet dans l'onglet « Devenir membre ». Donc, si vous êtes des nouveaux arrivants, des nouveaux commerçants, vous avez un nouveau projet, vous venez nous voir, on va vous aider, on va vous dire où vous diriger vers les nouvelles instances. Donc, on est vraiment là pour vous aider. Aujourd'hui, bien, c'est la première corvée de l'année. On est au pente 40-80, donc c'est les sentiers qui sèchent le plus rapidement à cause de leur géolocalisation. Là, sont au soleil. Les gens s'en donnent à cœur joie. On a plein de bénévoles qui ont répondu à l'appel. On devrait être autour d'une cinquantaine aujourd'hui. Puis ce qui est super, c'est que c'est tous des bénévoles qui viennent gracieusement. Ils passent la soirée à refaire des berms, à boucher des trous. Il faut dire que l'eau a été très dévastatrice cette année. Là, il y a des crevasses partout, des roches. Alors, tous ces gens-là, c'est des gens de vélo de montagne qui veulent donner du temps puis venir s'amuser après dans leur sentier qu'ils ont fait. La fonction de plein air Sainte-Adèle, c'est d'abord l'entretien et le développement des sentiers de plein air. Plein air étant le ski, le vélo, la randonnée, la raquette. Donc, toutes les activités qui se déroulent sur le territoire de Sainte-Adèle, on en est responsable de l'entretien des sentiers. Un volet important aussi qui s'est développé avec le temps, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la pérennisation des sentiers. Donc, c'est les ententes avec les propriétaires de terrains privés où passent les sentiers. D'une part, pour autoriser les droits de passage, selon les termes qui sont convenables aux propriétaires terriens qui nous d'en accès, mais aussi dans certains cas, l'acquisition par plein air Sainte-Adèle ou par la ville des emprises de sentiers qui vont pouvoir être maintenues de cette façon-là à perpétuité. C'est un rôle qui est de plus en plus important pour plein air Sainte-Adèle, surtout avec le fort développement que connaissent les Laurentides. La protection des sentiers devient extrêmement importante
à ce niveau-là. Moi, ça faisait longtemps déjà que je m'impliquais avec PASA puis dans d'autres réseaux de sentiers. Puis je trouvais qu'il y avait un manque un peu de bénévoles qui voulaient s'impliquer pour les réseaux de sentiers de niveau expert. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de créer le groupe pour aider à partager les connaissances, créer un mouvement puis engager le monde là, dans tout ce qui est l'entretien des sentiers. Là. Je te dirais qu'en début de saison, la première au 40-80, c'est tout le temps une de celles qu'on est le plus de participants. C'est une des plus accessibles et c'est un des endroits que le monde y vient souvent, surtout en début de saison. Aujourd'hui, l'ambiance est assez spéciale. On a des opérateurs avec beaucoup d'expérience sur les pelles qui sont aussi des adeptes du vélo de montagne. On va avoir des mères de famille qui accompagnent leurs enfants, qui vont venir donner un coup de main sur la pelle. On va avoir les pères ou l'ami du père qui vont venir avec les grosses pioches pour pouvoir enlever les grosses roches. On a besoin un petit peu plus de muscles à ce niveau-là. On va avoir les gens de finition qui vont passer le râteau. Fait que c'est tout un ensemble de personnes qui ont des niveaux d'habileté différentes sur les outils de plein air et puis qui collaborent ensemble. Fait que c'est ce qui fait le succès de l'équipe. Fait que c'est super convivial, c'est super amical, le monde sont super gentils, puis on mord pas, là. On est bien smart, là. Ah ben oui, c'est super le fun, tu sais, je veux dire, la gang est cool. Yeah, c'est super simple, tout le monde est de bonne humeur, c'est vraiment un esprit de collaboration, de plein air. En plein air, c'est souvent comme ça aussi, peu importe le sport. Les gens arrivent, on les connaît pas, tout le monde se salue. Bon, comment, qu'est-ce que je peux faire? Ou tantôt, je jasais avec quelqu'un qui est arrivé. Bon, c'est ma première fois, je m'en vais où, qu'est-ce que je fais? Alors, les gens, ils veulent vraiment s'amuser en même temps que donner du temps. Puis, tu sais, c'est une belle communauté, là, on a vu, là, tout le monde qui sont venus ici ce soir, là, c'est tout du monde impliqués de la région qui aiment ça rider, puis ils viennent donner pour qu'on puisse en profiter tout l'été, là, puis venir jouer puis avoir du fun à Sainte-Adèle. C'est super convivial. On est inclusif. Donc, pour les amateurs de vélo, je vous invite à venir essayer les sentiers de Sainte-Adèle. Ils ont vraiment leurs caractéristiques particulières. C'est des sentiers qui vont être souvent naturels, qui vont traverser des très grands parcs, comme le parc du Mont-Loup-Garou, entre autres. On dispose d'un réseau en développement qui est extraordinaire. On va avoir ici ce petit réseau-là qui appartient à la municipalité qui permet aux jeunes, en début de saison, de venir un petit peu rafraîchir leurs habiletés. Le Chanteclair, c'est des sentiers historiques. Dans le Chanteclair, là, ça fait plus de 25 ans que ces sentiers-là existent. On va avoir le réseau du côté Mont-Roland. Fait que déjà, Sainte-Adèle est une très grande ressource pour pouvoir pratiquer nos deux sports, autant l'été que l'hiver. On a le secteur Mica aussi. On a des fameux sentiers. Donc, venez essayer nos sentiers, très, en français, old school, mais qui valent la peine d'être expérimentés. Puis, il y a vraiment une belle communauté de plein air. Puis, n'hésitez pas, après votre ride de vélo, à vous arrêter dans les petits restaurants locaux à côté du petit train du Nord ou sur la rue Valquette à Sainte-Adèle. Ça vaut vraiment la peine. Ça, l'esprit sportif ou de vélo là, se poursuit dans nos cafés et restaurants. Là. C'est vraiment sympathique, vous allez voir. Et ce soir, je pense qu'on est quasiment à 70, en plus d'avoir de la machinerie lourde qui nous donne un bon coup de pouce. Principalement, moi, ça, je suis un utilisateur des sentiers de vélo de montagne. Puis dans ma vie, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de compétitions où est-ce que j'avais pas le temps de redonner comme tel aux sentiers ou bien aux différents organismes. Que maintenant que j'ai pris ma retraite de la course, ça me permet de mettre du temps dans les sentiers. J'aime participer parce que c'est important, c'est le fun de rider, mais c'est aussi important d'entretenir les sentiers. Fait que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de beaux sentiers. Donc, c'est ma façon de donner à la communauté, là, d'être ici présente puis d'aider mes collègues. Hein. J'ai toujours été très actif dans le domaine du vélo comme adepte. Compétiteur dans les plus jeunes années. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie du vélo. Et puis, il y a un an et demi, je me suis dit, faut que je redonne un petit peu à ma communauté en donnant mon expérience et en travaillant avec toute une bande de personnes très impliquées, très, très amoureux du sport, du vélo ici à Sainte-Adèle. C'est important de collaborer avec eux parce que c'est grâce à ce monde-là, si on a des sentiers, puis si on garde nos sentiers, c'est grâce à toutes ces belles personnes-là. Parce que c'est du travail constant pour maintenir l'état des sentiers. Et puis, c'est toujours un recommencement, mais c'est tellement agréable de le faire qu'à chaque fois qu'on le fait, on a une immense satisfaction de retrouver les gens
et d'avoir un résultat, d'avoir un beau résultat sur le terrain? En fait, nous, si on fait une corvée ici aujourd'hui, c'est pour redonner un petit peu de kick là, au centre, là, à 40-80, là, au parc de freeride. Remplir des trous, refaire des berms, améliorer le terrain pour que ça s'irrigue plus naturellement. Là, les virages inclinés ils deviennent plus plats, les roches ils ressortent à la longue avec l'érosion, avec la pluie. Fait que nous autres, ben, on revient comme remonter ça puis redonner un peu de punch. En faisant ça en début d'année, bien, ça nous permet de rider tout le reste de la saison. On s'assure que les trails sont sécuritaires, en fait, pour tout le monde. C'est un terrain qui sèche quand même rapidement, là, donc, tu sais, on vient ici pour commencer la saison. Puis quand on veut pas aller trop loin non plus, là, faire différent. On a beaucoup de sentiers ici, là. C'est le fun. Il y a du beau défi ici. Plein air Citadelle, c'est à peu près une force bénévole, à peu près 1000 personnes qui sont un peu coordonnées ou mobilisées par un conseil d'administration formé de 15 administrateurs. Parmi les 15, on a, je dirais, trois types de personnes. On a des, en français, des trail builders, des gens qui, comme aujourd'hui, lors d'une corvée, vont venir s'impliquer pour faire de l'aménagement ou de l'entretien de sentiers. On a un deuxième groupe extrêmement important aussi, c'est nos communicateurs influenceurs. Par exemple, des communications qui vont donner l'état des sentiers en continu, des parcs ouverts, fermés, mais aussi un groupe d'influence auprès de la communauté pour valoriser le plein air, mais aussi convenir des ententes de passage sur les terrains privés où on est souvent situé. Le troisième groupe, bien, c'est les administrateurs comme tels. On a beaucoup de budget à gérer. On a donc une force bénévole, des subventions à demander, les relations avec la ville qui est le meilleur supporteur de plein air Citadelle. Donc, nos administrateurs, nos communicateurs influenceurs et nos travailleurs de sentier. Là, c'est le cœur de l'administration de plein air Citadelle. Je m'implique du mieux que je peux dans les corvées depuis peut-être une quinzaine d'années ici. Donc, c'est notre terrain de jeu, puis j'aime bien ça y participer. De continuer de dire que c'est important de s'impliquer dans le fond. Puis comme par exemple, moi aujourd'hui, j'ai apporté un de mes fils qui est avec moi. Il y a plusieurs jeunes qui sont là. Donc, leur faire réaliser l'importance de leur implication, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir des pistes plus longtemps. Ben, les trails sont plus belles, c'est plus safe un peu, puis genre c'est plus nice à rider. Quand il y a des beaux kickers, puis on jump bien, puis on fait des tricks cool. Okay. Puis c'est cool d'aider la communauté et tout. Là. Plus on peut rider ici gratuitement. Pour faire du bénévolat ici, c'est comme la base. De développer une pérennité dans les activités sportives pour nos jeunes, pour ceux qui s'en viennent. Comme vous pouvez voir ce soir, il y a des personnes de mon âge, plus matures, il y a des personnes dans la quarantaine, mais il y a des jeunes aussi, des jeunes adolescents. C'est beau de voir ce mélange de générations-là. Mon implication première chez PASA, c'est de m'occuper de tout ce qui est signalisation. Évidemment, c'est un travail d'équipe. On crée des affiches, on veut s'assurer, avec Benoît qui s'occupe des sentiers, que tout est en règle, tout est aux normes, tout soit sécuritaire puis très facile. Parce qu'ici, à Saint-Adèle, il y a plusieurs disciplines sportives qui se croisent. Le ski nordique, le ski tracé, la raquette, la randonnée, le vélo de montagne, puis le fat bike. Fait qu'il faut s'assurer que tout soit fluide, limpide pour les gens, que ce soit sécuritaire. On a à peu près 70 km de vélo de montagne, on trace 40 km de fat bike, une vingtaine de kilomètres de ski de fond, puis on a à peu près 70 km de randonnée raquette. Donc, c'est vraiment un grand réseau. Puis à Saint-Adèle, juste pour vous dire, il y a des sentiers partout à travers la ville, donc on chôme pas. Donc, à savoir ce que ça prend pour être un bon bénévole, là, c'est du temps. Puis de venir s'impliquer pour vrai, d'être là, vouloir rencontrer les gens qui sont là aussi. Ça ne demande pas grand-chose d'autre qu'une paire de gants, des souliers un peu sales, puis un sourire. Ça prend tout simplement l'amour des sports ou du domaine dans lequel tu t'impliques. Le goût de partager du temps avec les gens qui ont les mêmes passions que toi. Et puis d'être capable de faire plaisir aux autres, de donner un service que les gens vont apprécier. Je pense que c'est une combinaison de tout ça. Hein? Comme aujourd'hui, ce soir, bien, il faut juste avoir quelques heures à donner. C'est pas compliqué. Tout le monde peut être bénévole sur un sentier. Ça peut être juste couper des branches, aller couper un arbre si on est habilité à le faire. Tu sors ton râteau, ta bêche, puis tu viens taper des berms puis refaire des sentiers. C'est aussi simple que ça. C'est la deuxième année qu'on le fait. Ouais. Puis c'est quoi que vous trouvez important de vous impliquer là-dedans? Ben, je te dirais qu'on en profite à chaque été, fait que si on veut en profiter un minimum, ça prend des gens qui s'en occupent. Ça prend vraiment du vouloir, puis
C'est sûr que c'est beaucoup de connaissances, mais le but des corvées, c'est de partager ces connaissances-là, c'est que le monde, ils viennent, puis ils apprennent des choses, puis après ça, ils retournent chez eux, ou après ça, ils vont rouler, puis ils voient quelque chose qui cloche, bien, ils vont le régler tout de suite au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, que le monde y prenne l'initiative. C'est pas super sorcier, mais c'est sûr que ça prend de l'expérience. Puis ça, de l'expérience, ça s'apprend pas sur un divan, là. Faut que tu sortes, faut que tu te salisses un peu les mains, mais le monde sont super motivés, le monde, ils veulent montrer ça, cet art-là, puis tout le monde est super content d'avoir des paires de bras dans ces soirées-là. J'encourage fortement la communauté féminine à venir s'impliquer. Moi, je suis pas mal une militante pour ça. C'est sûr que c'est le meilleur moment pour les filles, t'sais, de venir s'intégrer ici, puis de tâter le pouls, puis de prendre la place un peu. C'est sûr que si on veut être bénévole au CA, bien là, on donne un petit peu plus de temps parce qu'il y a toute la paperasse à faire, toute la vision, la mission de plein air Sainte-Adèle. Faut faire des soumissions. Trouver aussi, quand on peut pas faire, des consultants qui vont pouvoir nous aider là, avec des pelles mécaniques, là, parce qu'on n'est pas tout le temps habilité à ça. Donc ça prend plus de temps. Une question qui nous est souvent posée, comment je peux m'impliquer à Sainte-Adèle dans le plein air, c'est a priori avec plein air Sainte-Adèle. Sur notre groupe bénévole plein air Sainte-Adèle, on a presque 1000 personnes qui se sont enregistrées. Donc, s'il y a quelque chose à faire dans un sentier, on met un post, puis souvent, ça va être fait le lendemain. Donc ça, c'est super le fun. Puis quand on fait une corvée, bien, il y a souvent entre 40 et 60 personnes qui se présentent. Je te dirais que si jamais tu veux t'impliquer, écoute, le plus facile, c'est d'aller voir les administrateurs du réseau le plus proche de chez vous ou la place que tu vas le plus souvent rouler. Eux autres vont pouvoir te guider, puis comme je disais, ils sont super ouverts d'esprit, ils veulent avoir des bras. Pour entrer en contact avec nous, c'est assez facile, c'est la page Facebook. On a un temps de réponse extrêmement rapide, donc ou bien un courriel à plein air Sainte-Adèle ou communiquer avec nous directement via la page Facebook par Messenger, c'est vraiment le meilleur moyen de communication. Les dates des corvées sont là-dessus, les rendez-vous, on fait beaucoup de publicité, on invite les gens à regarder notre page presque à tous les jours pour savoir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, puis en même temps, tout voir les publications qu'on fait sur plein air Sainte-Adèle. Ou bien, vous allez nous croiser souvent dans les sentiers. N'hésitez pas à nous intercepter quand vous nous voyez en train de travailler ou nous promener en vélo. On a souvent l'hiver, on a nos tuques plein air Sainte-Adèle, l'été, nos casquettes bénévoles. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. Ça nous fait toujours plaisir d'accueillir des nouvelles personnes. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.